Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose quand même? Oui. Pas la monter jusqu'au bout, tu vas faire le tour. Ouais, je vais passer par la grande route. Donc à la limite, tu n'auras peut-être pas besoin de ça. Je te le donne quand même. Ok, pas de soucis. Et le bal du bénévole pour pouvoir rentrer sur okay, ça. Le bal du bénévole.
capitale historique du Beaujolais, puisque c'est ici que le Beaujolais est né. Alors je déclare la 34e fête des Sarmentelles ouverte. Écoutez, c'est la première fois que je viens au Sarmentel et vraiment une très belle fête, parcours dégustation, donc ensuite soirée repas prestige, vraiment un très bon repas, des super spectacles vraiment, et puis bah, là, la montée de la rue Flambeau, plus la mise en Perse, très belle fête, voilà, franchement j'ai adoré. Alors moi, ce que j'ai ressenti tout d'abord, c'est de la convivialité et un très très bon état d'esprit, une très bonne ambiance, hein, que ce soit au dîner de gala ce soir, et puis ensuite cette marche au flambeau dans la ville, cette magnifique ville de Beaujeu, et puis jusqu'à la Perse, hein, donc on a à minuit pile avec un feu d'artifice, et tout ça, ça fait, je retrouve un petit peu l'ambiance qu'on retrouve dans un stade de rugby. Il y a vraiment beaucoup d'ambiance un petit peu familiale, conviviale, très amicale. Et en tout cas, la fête, un esprit de fête. Et voilà, c'est ce que je retiendrai le plus dans un cadre extrêmement magnifique. Voilà, c'est un très bon moment. C'était exceptionnel. De la convivialité, du partage, du chaud, de très bons crus. Un moment vraiment très très fort à conseiller à tout le monde au moins une fois dans sa vie. Merci, bravo les Sarmentelles.